Ok, on est reparti sur City Skyline, Avania City. La dernière fois, j'avais surtout développé au niveau de la zone industrielle, notamment avec les bureaux. Là, la demande, ce sont des résidences. Donc, et puis il y a aussi l'électricité, dont il va y avoir besoin d'augmenter la production. Donc, vu que j'avais prévu le parc éolien là-haut, et aussi des quartiers résidentiels, même commerciaux, genre une petite ville, hein, une petite ville accolée à la ville principale, on va dire. Après, la ville principale, ça veut un petit peu rien dire, mais bon, bref, voilà l'idée, c'était de rajouter donc des habitations et des commerces là-haut, et le parc éolien. Donc, je pense que je vais m'attaquer à ça directement. Donc, l'idée, c'est de faire une montée comme ça en lacet. Et je vais la faire partir, je pense, de là. Et je suis en train de me poser la question, est-ce que je vais pas la relier aussi ici? Bon, dans un premier temps, je fais une route principale qui va partir comme ça. Et après, j'aviserai pour la raccorder ou non de ce côté. Ok, voilà, route une fois terminée, ça va. Je pensais que j'allais commencer à galérer à cet endroit, mais non. Donc la route est plutôt propre, en tout cas la pente, il n'y a pas d'accrochage, donc nickel. Pour là-haut, je vais faire, je pense, un axe principal. Alors est-ce que je le fais revenir? Non, je pense que je vais faire. Hop, donc tout droit comme ceci. Ah, en sachant que là, je vais pas acheter de domaine. Si, attends, je regarde. Les domaines, ça va être. Donc là, j'en ai 6. 7 ici. 8, 9. C'est ça, hein, c'est les trois derniers seront là. Donc, ça va s'arrêter là. Donc là-haut, non. Là-haut, je l'achète pas. Donc, sachant que la ville va s'arrêter à cet endroit. Au niveau de cette ligne, il vaut mieux pas que j'aille trop loin. On va faire comme ceci et je vais faire revenir. Bon, je vais essayer de pas faire. Je vais faire en quadrillage, mais assez disparate. Ouais, ça veut pas forcément dire grand-chose. Mais ça va pas s'arrêter t'sais, de façon nette. Bon voilà, tu verras. Par contre, le sol, est-ce que il est droit? Il est relativement plat, du moins droit, plat. Hop, non, il l'est pas vraiment en fait même. Donc on va faire ceci, comme ceci. Hop, ici.
On va planir le tout. Parce que vu que c'est en hauteur, c'est pas non plus choquant. Ouais, voilà. Peut-être pas au niveau des extrémités de la montagne. Ouais, là on est bien. Donc je pense faire le parc éolien de ce côté. Ouais, plus ou moins là comme ça, ici. Et tout le reste, donc des résidences, bon, la petite ville. Donc ça c'est fait. On va repartir de là à là. Et on va remettre des petites routes surtout. Donc on va faire comme ça. Ok, pour l'instant, je vais laisser le tracé tel quel. De ce côté, je verrai. Je ne sais pas si je fais vraiment tout un parc éolien ou plutôt si là, je fais une partie avec des bâtiments, enfin, des résidences et ensuite, ou alors des commerces, hein, et ensuite donc le parc éolien. Donc, dans un premier temps, de toute façon, pour l'électricité, je pourrais le placer là. Je pense même y mettre peut-être une centrale solaire. Ouais. Centrale solaire, ça je pense pas la mettre la centrale nucléaire. Donc centrale solaire plus parc éolien, là-haut, ça pourrait le faire. Ouais. Donc les résidences, alors le zonage, je vais prévoir. Tiens, pourquoi il me dit ça? Je vais prévoir. Bah, dans un premier temps, je vais quand même placer les services. Donc on va mettre. Est-ce que je mets un hôpital? Non, j'ai dit que c'était une petite ville. Ouais, mais ils peuvent avoir un bel hôpital. Je vais placer un hôpital. Ouais, surtout que c'est assez grand en fait. Donc, je vais placer dans le centre. On va mettre un hôpital. J'avais mis lequel que je mette pas deux fois le même. Ici, c'est l'hôpital comme ça. Je crois que j'en ai mis qu'un. Ah bah attends, suffit de faire comme ceci. Là, c'est les petits. Ouais. Ouais. Je vais mettre celui qui est là. Je vais le placer comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais placer les pompiers. On va mettre la caserne comme ceci. On va la placer. Je vais la placer là. Ensuite, police. Je vais le mettre comme ceci. Ouais. Ensuite, l'école. Je vais mettre une école. Je vais mettre. L'école, je vais la mettre. Je pense mettre école et collège. Même si on n'a pas besoin, je trouve que ça va bien quand même dans le coin. Donc, voir. Je mets le grand. Attends, il y a des endroits où j'ai plus de place. Ah non, j'ai quand même pas suffisamment de place. Donc, ah, je la mettrai en bout. Ah, mais attends, la route, elle va pas. Elle est moche à souhait. Ouais, voilà.
Je vais aplanir le sol. On va prendre ça. Voilà. Et là, je peux remettre la route. Voilà. Et le collège, donc, le collège, est-ce que je pourrais le mettre comme ceci? Avec l'école à côté, je vais mettre celle-ci. Ouais, ça le fait. Ensuite, donc j'ai placé tous les services. Ouais, il faudra monter l'eau aussi. Quoique, là, je peux y mettre des châteaux d'eau. Ça pourrait être cohérent, les châteaux d'eau là-haut. Bah, au niveau de tout ce qui va être production, on va dire, de, ouais, de production d'énergie, de ressources, ça va être là. Ok. Pour. Ah oui, il faudrait que je rejoigne. Du moins, je vais raccorder les deux routes à cet endroit. Comme ça, tout ce qui est déchetterie, ils pourront rejoindre par là. Voilà, déjà, déjà comme c'est là, ils peuvent rejoindre à ce niveau-là. Mais je pense de faire un accès direct, c'est pas idiot. C'est pas illogique. J'ai bien envie d'y mettre centre médical et infantile et gériatrique. Je vais les placer, je pense. Je vais les placer dans le centre comme ceci. Entre, ils recouvrent pas forcément tout. Ouais, mais je peux pas les faire recouvrir le tout. Donc, on va en mettre un ici et l'autre à côté ou en face. Quoique ça aurait été logique avec le. Ou alors je déplace l'hôpital et je viens le placer à côté d'eux. Ouais, comme ça. Ensuite, donc j'ai placé. Non, j'ai placé lui. Ouais. Donc il me reste lui à placer. On fait comme ça. Ouais. Ça le fait, ça le fait. Ensuite, quand même, des commerces. Donc, tout le long de la route. On va faire comme ça. Des commerces. Même si là, il m'en demande pas trop. Je vais quand même les mettre. Ou alors, je les mets pas pour l'instant. Et j'anticiperai, du moins j'anticipe leur place. Des places, hein, ou des parcs, justement. Lui, c'est le grand mouse costaud. Donc, je vais plutôt mettre un parc ici. Fais voir les. Hop, si je le mets là. Je ne vais pas en mettre après. Je vais faire comme ça. Ici. Je vais y mettre un chemin. Voilà. Ensuite, je pourrais prévoir. Fais voir les places. Tout ce qui est sportif. J'ai mis où le collège et tout ça? Ils sont ici. Bah, je pense que je vais mettre à côté. Hop, hop. Voilà, comme ceci. Ensuite, on a quoi? En bâtiment unique. Bon, alors, je vais jeter un œil en bâtiment unique et voir ce que je peux y placer. Ben, j'ai bien envie d'y placer une cathédrale. La cathédrale. Par contre, elle a une nuisance sonore. Est-ce que. Ouais, je la mettrai là et dans le coin, je mettrai pas trop de résidence dans ce cas. Ouais, je vais faire ça. Je vais la mettre ici. Hop. Et je vais placer une place. On va. Place des morts. Je vais la mettre. Ah tiens, là, ça va. Je vais la placer ici. Hein. Ouais. Et j'ai bien envie d'y mettre la grande bibliothèque aussi.
C'est un peu le, comment dire, le bâtiment un peu exceptionnel du coin, bon, exceptionnel, attractif du coin, même s'il y a d'autres bâtiments attractifs, mais est-ce que je peux le, non, ça rentre pas là. Où est-ce que je pourrais la mettre, la bibliothèque, non loin du centre-ville qui se trouve ici. Je pourrais la mettre par là et je fais sauter une route. Ouais, je vais la mettre à côté de la cathédrale. Ou alors plutôt. Non, je vais la mettre là. Donc cette route, je l'enlève. Et je peux placer ainsi. Hop. Ouais. C'est pas choquant. Bah, moi, ça me choque pas. Je trouve que ça le fait. Voilà, bon, les arbres, ils vont disparaître puisqu'il va y avoir les bâtiments. Ok, voilà. Un petit centre-ville pour ce coin. Ouais, là, je pense que j'ai rajouté quand même des bâtiments. Peut-être des usines. Ouais, ou des bureaux, un centre d'activité. Bon, bref, je sais pas. Donc, là, ça, c'est fait. On va rajouter les résidences. Donc, pour le coup, les résidences, il y en aura par contre. Il y en aura. Alors, ici, il faudrait que je prévoie tout le long là des commerces. Donc des résidences, on va dire que tout ça, ce sont des résidences. On va faire jusque-là. Ensuite, on va mettre des petites maisons par-ci, par-là. Voilà. Ensuite, ici. Alors au niveau des parcs, ah, il faudrait que en fait j'active le truc. Alors je vais quand même m'attaquer au parc éolien tout de suite. Par contre, il faut que je me décide à savoir si je rajoute des résidences. Ouais, je vais rajouter des résidences ici, enfin, des bâtiments. Je vais prévoir les routes. Je ne sais pas si ça sera des résidences. Ou des commerces, mais je prévois l'emplacement à cet endroit. Voilà, plus ou moins là où c'est déjà plat, il n'y aura rien. Et je mettrai tout ce qui est éolien à ce niveau-là. Donc les routes, hop, on va tracer une route comme ceci. Voilà, ensuite on va faire jusque-là. Voir le sol. Ouais. Ouais, voilà, quelque chose comme ça. Et ensuite, donc, mon parc éolien que je vais placer donc là. Non, je vais le rapprocher. Je vais faire qu'ils se connectent tous. Mais je les colle pas trop les uns les autres. Ouais. Donc ça, c'est fait. Ensuite, bah, je disais l'eau. L'eau, je vais faire. Bah voilà, là je peux poser donc le traitement des eaux. Ah oui, mais il recrache dans. Ouais, donc ça va pas. Donc on va faire. Il faut que je raccorde de l'autre côté. Donc là, je vais faire quand même tout ce qui est château d'eau. Je pourrais prévoir. On va faire. Comme ceci. Ensuite. Alors, je vais prévoir l'eau. Tout de suite. Voilà, quelque chose comme ça dans un premier temps. Ah, ça rebique un petit peu.
fais voir. Ouais, en même temps, c'est pas. Ouais, ça me déplaît quand même. Oups. Hop. Hop, on va prendre ça. Ou alors je peux le faire comme ça, en diagonale. On va faire en diagonale. Hop, fais voir le terrain. Oui, là on est bien. Et donc pour l'eau, ouais, bah, c'est pas grave. Hop. Et on va rajouter. Ah, je pourrais en mettre. Je vais faire un truc de ce genre. Voilà. Et lui, il est pas assez long. Je peux pas en mettre là. Bon, c'est pas grave. C'est pas gênant. Ouais, voilà, c'est un petit peu mieux. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant, il me faut quand même raccorder le tout. Voilà, donc tout ça c'est fait. Je vais raccorder au réseau en bas. Et voilà. Donc ça c'est fait. L'électricité, ça va être la même chose. Il faut que je le raccorde en bas. Ah, attends. Parce que je peux prévoir la route à cet endroit et après raccorder au niveau de la route. Donc je vais mettre la route d'abord, je vais la prévoir. Pour ce faire, je vais raccorder de là. Je pense, ouais, faire comme ça. Hein. C'est pas ridicule. Donc on va prendre, hop, celui-ci. Je pense partir de là. Hein. Ouais. Bon, bah la pente était quasiment bonne. Ensuite, je vais quand même prendre ça. Voilà, je vais voir ce que ça donne. Ouais, ça le fait. Par contre, ici, je vais enlever le stop, du moins le feu. Hop. Bon, je mets rien. Je vais laisser tel quel. Donc ça, ok. Comme ça, bon, ils peuvent monter et tout. Et pour le coup, l'électricité, je vais la faire rejoindre, enfin, longer la route. Pas forcément jusqu'au bout, ça sert à rien. Je vais raccorder comme ceci. Et ouais, comme ça. Ouais, ça va. Ça va, ça va. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Électricité, ok. Par contre, ici, c'est pas raccordé. Donc, est-ce que j'y mettrai pas un parc pour faire la connexion? Je vais mettre un parc à cet endroit. Mince. Hop. Voilà. Comme ça, normalement, ça devrait le faire. Ouais, c'est raccordé. Ici, il n'y a plus qu'à attendre que les bâtiments pop.
Ah, mais j'en ai pas mis ici. Moi, je vais en rajouter au moins là. Voilà. En espérant qu'il pop assez vite. Donc comme ça, ça se raccorde, ça se raccorde. Il n'y a qu'ici que c'est pas raccordé. Bah, je vais mettre les habitations. Parce que c'était quand même prévu qu'il y ait des habitations à cet endroit. Donc je vais les placer tout le long là. On va faire comme ça. Ici, on va faire comme ceci. Et en théorie, ouais, ça va se raccorder. Bon, il faut que les bâtiments se construisent. Alors, attends, je vais mettre le jeu en lecture. Parce que là, on est quand même plus ou moins bon. Donc ça va le faire. Ici, c'est raccordé. Ici, c'est pas raccordé. Donc, il faudrait que les bâtiments pop à cet endroit. Attends, je vais mettre en accéléré. J'attends un petit peu. Si je vois qu'ils pop pas, bah, je fais le raccord. Mais, ah oui, il y a le parc, il y a la centrale solaire. Bah, ça, je la rajouterai après. Parce que, de toute façon, d'électricité, pour l'instant, j'en avais suffisamment. Même si on se rapprochait de la limite. Au niveau du budget, je ne me rappelle plus le budget. Budget 12, ok. Bah, tiens, ça, je peux l'augmenter. Et après, tout ce qui est transport, pour l'instant, j'en ai pas. Donc, on va faire comme ça. Ok. Yep. Pour les bureaux, je vais les augmenter. Hop. Je vais mettre 12 même. Normalement, ça devrait le faire. Bon, vu que ça ne se construit pas, il n'y a pas le raccord. Donc, on va raccorder. Hop, je vais mettre pause. Donc, on va faire... On va faire bah, de là, tout simplement. Voilà. Donc, ça, c'est raccordé tout là. Et je vais raccorder, donc... De toute façon, après, je pourrais toujours les enlever, donc... Y a pas de souci. On va faire... Hop, comme ceci. Là, je vais longer... Ouais, je vais venir jusque là. Et voilà. Voilà, comme ça, au moins, le tout est raccordé. Hop. Voilà, nickel. Donc, normalement, ça devrait pop au fur et à mesure. Fais voir, donc, j'avais... Ouais, là, j'avais dit de vider. Donc, ça doit le faire. Il faudra sûrement que je rajoute une décharge là-haut. Ici, hop, toi, t'es vide. OK. Et regardons, parce que vu que j'ai augmenté le budget pour les bureaux, il faudrait pas qu'ils me disent que ce soit trop élevé. Non, c'est bon, j'ai l'impression que ça le fait, hein. Ouais, ça pop petit à petit, les habitations aussi. J'en suis content là de ce petit centre-ville. Ça va l'effectuer. Bon, mais il y a tout le monde qui arrive. Allez, pour ici, je vais le prévoir maintenant, en fait. Attends, je vais mettre pause quand même. Parce que je veux garder un œil et pouvoir réagir s'il y a un problème. Donc je vais rajouter. On va faire, hop. Je vais rajouter, hop. Donc une décharge, c'est, oui parce que je me concentre et je parle pas en même temps, donc on va la mettre, ah, et si je faisais plutôt comme l'autre, si je fais ça, en fait j'ai pas besoin de... Elle va peut-être gêner. Attends, je vais tester. Hein. Ouais, il y a la route qui gêne. Donc, non, je vais la laisser comme ça, comme ce que j'avais prévu au début. Je la mets dans le virage, ou plutôt là, comme ça. Alors, je vais la laisser comme ça. Ouais, c'est bon, ça me choque pas. De toute façon, au pire, je pourrais remanier la petite zone industrielle. Donc, c'est pas forcément un souci. Au moins, pour l'instant, c'est fonctionnel. Bon, il faut attendre que ça pop pour voir après sur quoi je me lance. Bah, après, j'aimerais bien me lancer pour ici, pour faire tout le grand port. Seulement, j'attendais que l'eau, je crois qu'elle va pas perdre. La pollution va pas disparaître comme ça. Parce que depuis que j'ai changé les bâtiments, ici, pour... tiens, d'ailleurs, l'eau. Pour le traitement des eaux usées, c'est un peu limite.
Donc, la disponibilité de l'eau, on en a largement. Forcément, avec tous les châteaux d'eau que j'ai rajoutés en haut. Mais le traitement des eaux usées, devient limite. Mais avant d'en rajouter, je voulais transformer toute la côte là en port. Seulement la pollution, ouais, tu vois, ah si, hein, elle s'estompe petit à petit, ça met du temps. Mais ça. Est-ce que je le fais maintenant ou j'attends? Parce que ça sert à rien si. Quoique je peux toujours commencer à placer le port, même si je mets pas les bâtiments et que je pompe l'eau, etc. Non, je vais attendre encore un peu. On va attendre encore un peu. Pour la suite, je pense que je vais décorer un peu. Je vais continuer à placer les arbres et de la végétation. Parce que il va y avoir pas mal à faire. Dans l'idée, c'est d'en rajouter un petit peu partout entre les bâtiments. Peut-être pas là, parce que je voulais peut-être retoucher toute cette zone. Mais je pense que là, je vais le faire. Je vais boiser à cet endroit. Et peut-être là aussi. Déjà, ça en fait pas mal de plus. Hein, ça commence à prendre forme au niveau de la végétation. Alors là-haut, bah là-haut, ça va, on n'a aucun problème. Ça continue à pop. Ouais, j'ai diminué la vitesse d'apparition, de la vitesse de lecture du jeu pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de problèmes qui apparaissent. Tu vois, comme ici, un mort. Ah oui, j'ai oublié de mettre des cimetières, effectivement. Toi d'ailleurs, hop. Fais voir, il n'y a rien d'autre à gérer. Non. Ok. Donc, le cimetière. Eh oui. Eh oui, eh oui. Donc, on va. Où est-ce que je vais bien pouvoir le mettre? Ah, bah, à côté de la cathédrale. On va faire comme ceci. Ah là, il pourrait rentrer en largeur. Est-ce que je le mets plus loin? Ouais, je peux le mettre plus loin. C'est pas gênant en fait. Ça aurait été bien à côté, mais il ne rentre pas comme je veux. Quoique, je peux le mettre comme ceci. Hein. C'était pour qu'il prenne la totalité, tu sais, la largeur, mais en fait, c'est pas. C'est pas dramatique. Hein. Je vais le mettre comme ça. Même comme ceci. Et là, je vais pouvoir y mettre des arbres tout le long. Ouais, voilà. Au moins, il y a un cimetière là-haut. Le crématorium, je vais pas en mettre. Ça, je pense pas que ce soit utile là-haut. Non, non, non. Non, non, ça, c'est pas utile. Donc voilà. Ça fait combien de temps là que j'enregistre?
Ok, donc ça fait un peu plus de 50 minutes que j'enregistre. Par contre, vu qu'il va y avoir des passages en accéléré, je pense que ça doit faire là une grosse demi-heure, 40 minutes, ouais, 35, 40 minutes. Donc je vais pouvoir continuer un petit peu. Ce qu'il faudrait, parce que là je pense que ça va être... Là c'est assez équilibré. Je vais remettre le jeu en lecture. Je pense qu'il faudrait que je mette des bâtiments à haute densité pour les habitants, parce que là, ça va être, ouais, ça va être le galère pour les obtenir. Après, je pourrais commencer à rajouter, comme je disais, je crois, dans la précédente vidéo, de rajouter les quartiers résidentiels à cet endroit. Mais je pense que ça va, dans tous les cas, ça va être difficile en restant juste sur ces bâtiments-là. Donc, où est-ce que je pourrais en rajouter? Je veux pas trop en rajouter, juste à certains endroits. Donc, par exemple, par ici, je vais en rajouter quelques-uns. Soit j'en rajoute, soit j'en... Donc, il faudra que je zone. Alors, attends, ce que je vais faire, c'est d'abord, je vais zoner. Hop, on va réduire. Donc, on va dire tout ça là. Enfin, tout ça là, il n'y a pas grand chose, mais voilà. On va lui dire ici standard et je vais lui poser les bâtiments. Alors, est-ce que je fais vraiment toute la zone ou je vais plutôt faire comme ça? Non, là, je vais pas en mettre. Là, on va mettre comme ceci, ouais, quelques bâtiments. Bon, ça va être des petits, hein. Mais c'est quand même bien. Toi, je vais t'enlever. Ici, je pourrais en mettre là. Et je vais en placer là et là. Et celui-ci. Voilà. Là, je pense que ça peut le faire. Pense même... Est-ce que j'en rajouterai ici? Non, je vais pas en rajouter là. Ensuite, où est-ce que je... pourrait en mettre, déjà il faudrait qu'il pop. Alors il va commencer à me réclamer de l'industrie. Ouais, là ça pop toujours pas. Donc bon, attends, je mets le jeu en accéléré. Voilà. Ouais, voilà, c'est en train de pop quand même. Donc nickel. Il va falloir que je rajoute de l'industrie. Où est-ce que je vais en rajouter? Je vais en rajouter par là, hein. Je pense que je vais continuer ici. Ouais, je vais continuer cette zone. Donc on va prolonger la route comme ceci jusqu'ici. Là, je vais la trans... Ah, là c'était une petite. Je vais rester sur une petite. Hop, voilà. Ensuite... je vais pas partir dans ce sens. Je fais dans quel sens? Je réfléchis. Je vais partir dans ce sens. Ouais, je vais faire comme ça. Et... Ah, là, ça tombe pas au bon endroit. Ouais, c'est parce que je veux que ça corresponde pour cette zone. Dans ce cas, je peux faire... Alors, attends. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va l'effectuer? On va voir ça tout de suite. Au niveau... Ouais, donc là, j'en ai deux. Ce que je vais faire, si je le déplace. Si je le déplace et que je me mets carrément là. Je vais essayer comme ça. Hop. Comme ceci et comme ça. Ouais, c'est bon. J'ai l'espace que je veux entre. Et ah oui, par contre, il faudrait pas que les bâtiments pop sur la route là-bas. Alors, tant pis. On va. Il y aura pas d'espace entre les deux routes, mais entre les bâtiments comme ici. Mais c'est pas gênant. Voilà. Et on va y mettre des industries. Donc là. Je vais faire comme ici, hein, je vais faire 1 sur 2. Je vais le mettre, le premier, je vais le mettre là. Ensuite, ici. Et en quinconce. Hein. 1, 2, 3, 4. Non, là, je vais aller trop loin.
Et je vais faire toute la zone. Voilà, un truc comme ça. Voilà, donc ça pop parce qu'il en avait besoin. Ici, il me redemande des résidences. Donc, est-ce que là-haut, ça n'a pas pop... Ah oui, mais j'ai pas zoné tout le coin, en fait. Et oui. Et oui, donc... bah, je vais tout zoner. Donc, bon, tout. Je vais zoner comme ceci. Là, on va faire ça et ça. Ici, ouais, comme ça. Bon, ça se surélève un petit peu, mais c'est pas gênant. On va faire comme ça et comme ça. Ok. Ensuite, ici, je vais y mettre quand même des commerces jusqu'au bout. Ouais, là c'est la grosse route, mais c'est pas grave s'il n'y a pas de commerce. Donc après, à l'intérieur, peut-être que je mettrai aussi des commerces là le long. Donc je vais faire comme ça. Et comme ça. Et ici, je vais aller jusque là. Et là, je vais pas mettre de commerce. On va mettre des résidences. Voilà. Comme ceci. Ok. Fais voir. Est-ce que ça pop bien? Ah oui, bah ça s'est bien rempli. Il me demande toujours de l'industrie. Ici, ça ne pop pas. J'ai bien envie de rajouter ici de l'industrie forestière. Mais... ouais, je vais le faire. Je vais rajouter l'industrie forestière. Donc là, c'était... J'avais prévu ça. Donc je vais faire... Est-ce que je suis dans la continuité ou pas? Je vais partir dans ce sens. Alors attends, ici, c'était bien plus large. Ouais, mais je peux. Ok, donc on va faire ça. Ensuite, je vais lui dire comme ceci. Alors pas contre, par contre. Je vais venir jusqu'au bord. Ah, et je me retrouve... je me retrouve coincé. Alors par contre, si... Donc je vais partir plutôt comme ça. Et je vais tester en me collant. Donc, en faisant... Mince, super. En faisant... Donc, comme ceci. Ouais, bah je vais faire un truc comme ça. Ça le fait bien. Donc, hop. Bah là, ça sera des champs, hein, de ce côté. Parce qu'il y a quoi que je pourrais rajouter des arbres. Attends, je vais voir en fonction des ressources. Si là, il y a de l'agricole. Ouais, il y en a un petit peu, ça s'estompe. Non, je vais d'abord prolonger la zone forestière jusque là. Même, ouais, jusque là. Hop. Donc, comme ceci. Attends, on fait un truc propre. Voilà. Ça va le faire. Et je rajoute... l'industrie, donc bah pareil que là-haut. Je vais partir de là. Voilà, et ça devrait le faire. Ah, par contre, à mon avis, il faut de l'eau. Ouais. Je vais faire qui prolonge la route comme ceci. Hop.
Voilà. Bon, là, pour l'instant, il n'y en a pas de... J'en ai pas posé. Ah, oui. Au niveau traitement de... Eh oui, parce que j'en avais pas rajouté de bâtiment. Je vais en rajouter un tout de suite. Tant pis, hein. Comme je disais, de toute façon, il faut que j'attende pour tout ce qui est le traitement. Le traitement des eaux usées, du moins de faire tout le port comme il faut. Hop. Donc voilà. Ça va dépoper. Ouais, c'est bon. Bon, bah voilà. Bah, j'en ai quand même rajouté un petit peu au niveau industriel. Là-haut, bon, bah, il va falloir attendre après par la suite que les bâtiments pop. Ici, on a les pompiers à côté, donc ils interviennent, nickel. Non, bah on est plutôt bien, ça a encore bien avancé. Pour la prochaine fois, bah je pense que pour la prochaine fois, j'attaquerai quand même le port, même si j'y poserai pas les bâtiments, mais au moins je délimiterai le. Voilà, je pourrais placer tout ce qui est par rapport au transport maritime, mais pour tout ce qui est traitement des eaux, bah je pourrais toujours mettre le côté qui rejette l'eau usagée. Mais pas pour la pomper. Donc, ouais. Je pense que je partirai là-dessus. Oh, la ville colossale! J'allais arrêter la vidéo. Nice. Donc après, il nous restera la métropole et la mégalopole. Donc c'est bien ça. Les trois derniers, mais là c'est bon, trois derniers domaines. Donc plus que deux après celui-ci. Ouais, ça serait bien que je les débloque ensemble. Parce que là, je pourrais prendre celui-ci pour à la limite continuer là. Mais pour après faire monter l'autoroute, il va falloir que je débloque quasiment les deux en même temps. Mais bon, ça, c'est pour la prochaine fois. Je vous dis donc à très bientôt pour la suite dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien. Allez, ciao!